Alléluia. Ce n'est pas nous connecter avec la présence de Dieu. Nous paraissons pareils. Nous laver, nous changer, nous transformer. Dans Exode 3, Moïse, dit tu peux perdre le troupeau, dit tu gardes un troupeau. Bon Dieu apparaît avec lui dans une mission en dents. Après cette conversation au peuple de Dieu, après cette communication, Moïse se laver changer, se dessiner changer, dessiner du peuple de Dieu changer. Je ne suis plus esclave, je quitte l'Égypte, je deviens un peuple puissant, un peuple qui riche, un peuple qui domine. Alléluia. Ce que nous ce matin, laisse-nous faire nous liser, nous connecter avec la présence de Dieu. Alléluia. Quand nous sortons de là, nous la vie pour changer, peuple de Dieu. Alléluia. Acceptez cela de tous les cœurs. Laisse-nous changer de tous les cœurs. Alléluia. Alléluia.
Concernant Lévitique, le chapitre 8, le verset 22 au verset 24, côté cause-nous le bélier de la consécration. Nous t'expliquons qui veut dire pose la main ou la tête du bélier. Nous t'y fais une introduction avec autres qui veut dire le côté droit et le côté gauche. Le côté droit, c'est à côté en nous qui permet de nous vivre la vie spirituelle
qui selon la volonté de Dieu. Et bien sûr, le côté de gauche, c'est sa côté en nous qui empêche nous d'avancer, qui bloque nous la vie spirituelle, qui fait nous prendre une décision qui passe selon la volonté de Dieu. Nous parlons dans la même pensée, dans le même esprit, et dans le sens qui nous propose avec eux concernant la consécration du jour. Mais cette fois-ci, nous vous causons avec autres la consécration de nos oreilles. Parce que quand nous lisons ce récit-là, nous sommes arrivés à trouver que Moïse qui prend le sang du bélier et il applique ça au lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et les gros orteils du pied droit d'Aaron et ses fils. Nous finissons déjà à cause de là, nous montrons comment Aaron et son garçon de la tribu de Lévi qui est choisi pour servir bon Dieu. Qui veut dire, n'est pas n'importe qui s'en a qui a le droit de servir bon Dieu dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, nous connaissons que dans le Nouveau Testament, il est totalement différent dans le sens que tous ceux qui finissent de nouveau, qui finissent par le Saint-Esprit, qui finit par la parole de Dieu, tous ceux qui croient dans Jésus-Christ, qui finit accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, tous ceux qui et dans le Saint-Esprit en eux, je fais une baptise du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demeure en eux, tous ces gens qui sont là, je qualifie pour servir mon Dieu. Merci Seigneur. Et utiliser ce sujet qui veut dire côté droit, nous ne pas dans les détails là. Mais ce matin, je vous cause avec vous un autre aspect qui cause nos trois organes. L'oreille, le pouce de la main droite, l'orteil du pied droit. Il donne seulement trois organes dans nos échos. Mais ces trois organes-là, ils couvrent tout bien l'organe qui existait dans nos échos. Pour dire, qui découvrait tout ban membre qui existait dans l'écho. Quand Moïse peut mettre l'emphase de la consécration de l'oreille, la consécration de la main droite, pouce de la main droite, et la consécration du gros orteil du pied droit, il n'y a pas de limite à ces trois membres-là simplement. C'est simplement comme on peut expliquer la signification du chiffre 3 dans la Bible. C'est alors que vous pouvez comprendre et connaître en fait qui Moïse peut faire à ce moment-là. Le chiffre 3 dans la Bible veut dire total, entier et complet. On aime un chiffre dans la Bible, il est significatif. En fin de compte, tout ce qui existait dans la Bible est significatif. C'est tout dans l'Ancien Testament. Il y a une image, il y a une définition. Le 6-3 existait dans la Trinité. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Il cause nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'est pas total en lui-même, il peut naître trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous causons la Trinité de Dieu, veut dire que ces trois personnes-là font partie. L'homme n'est pas total, n'est pas complet, si pena, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. La Bible nous dit l'homme est composé de trois parties. Seul l'esprit qui fait les communiquer avec mon Dieu. Sur l'âme, sur l'émotion, sur le sentiment, c'est un autre message en lui-même, qui définit ce portioli, cette faculté pour capable réfléchir, pour capable prendre une décision, pour capable penser, pour ressentir, tout ça est trouvé dans son âme, et bien sûr aussi dans son écho, son physique. Je te connais qui frère et soeur, qui est le vrai nous-mêmes, le vrai riche en dessous, qui se
peut trouver, c'est pas ça l'écho. Là, ça c'est sur l'écho. Le vrai riche en ressources, il y a à l'intérieur, c'est sur l'esprit. En fait, nous, tout ce qu'il a, nous, dans l'esprit, nous, c'est manabit dans l'écho. Nous, on a une lame qui fait nous ressentir, qui fait nous apercevoir, qui fait nous réagir. C'est nous l'âme, c'est un autre tissu dans lui-même. Nous avons aussi le tabernacle, composé bien sûr de trois parties, toujours trois. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Hébreux chapitre 9, verset 2. Chiffre 3 toujours. Il te connaît qui c'est dans le lieu très saint que Dieu l'apparaît, qui c'est Dieu qui cause dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'était une place que le ben sacrificateur offrit un sacrifice qui ben peut pas porter pour être offert à Dieu. Et le parvis, c'est la place que le peuple est assemblé quand ils viennent pour offrir notre sacrifice. Trois toujours. Le tabernacle. En fait, l'homme, c'est un tabernacle en lui-même. Parce que Dieu l'habite dans nous, l'esprit. Dieu est causé dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Nous, l'esprit, c'est le lieu très saint que Dieu l'habitait. Le lieu saint, c'est nous, l'âme. Ça partit en nous quand nous besoin tout le temps peut offrir à Dieu pour que Dieu gagne l'occasion pour manifester lui-même, pour révéler lui-même à nous. Et le corps, bien sûr, c'est à côté extérieur, le parvis, en rapport avec le tabernacle. Et pas oublier, pharisiens, qu'ils étaient tentés à trois reprises. Et moi, fin tout le temps, je disais qu'ils étaient tentés totalement et entièrement. C'est une tentation qui existait dans le monde, dans n'importe qui, dans la vie d'un n'importe qui personne, qui peut toujours bien faire face. La tentation-là, elle existait dans une de ces trois tentations qu'ils étaient fin de passer. Au cas contraire, si toute forme arrivée passe par une tentation qui peut exister dans sa trois tentations-là, je ne peux pas venir devant Dieu, Enzo, je vais te dire, je vais succomber devant cette tentation-là, parce que cette tentation-là n'a pas existé dans la tentation que Jésus-Christ s'est passée. Parce que nous te connaissons que la Bible dit nous très clairement que Jésus-Christ finit de tenter en toutes choses, sauf commettre les péchés, c'est pour cela qu'il est capable de secourir à nous. Mais s'il n'est pas une tentation qui nous finit de passer, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, tu ne passes pas ça toi. Mais toutes les 30 tentations, les couvertes, toute tentation qui est capable d'exister dans le monde autour de bon enfant de Dieu. Le 6-3 veut dire total, entièrement. Jésus finit de tenter totalement. Jésus-Christ finit de tenter entièrement. Dieu est total dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu as le Fils là-dedans, il n'est pas Dieu. Si tu as le Père, il n'est pas Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Tous les trois ensemble. Et puis dans un certain Gethsémané, quand Jésus-Christ peut être tenté, quand la pharisienne, tu peux, avant qu'il puisse subir la mort. Je te connais qui dans Gethsémané, est-ce que tu fais face Golgotha? Et tu fais face Golgotha, tu viens vaincre Golgotha dans Gethsémané. Mais ne te connais qu'à trois reprises, est-ce que tu fais une prière devant Dieu? Seigneur, si tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe, mais qui n'est pas ma volonté d'y faire, mais qui est ta volonté d'y faire. Ça l'idée montre nous, pharisiens, que Jésus-Christ, qui passe par la prière totale pour vaincre la mort de Golgotha. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus-Christ subit la souffrance de la croix quand il est à la croix. Tu subis la mort quand il est à la croix. Mais il y a une école de pensée qui dit que Jésus-Christ finit subir la mort de Golgotha dans Gethsémané. À Gossem qui, quand il finit, passe à trois requêtes, à trois prières fortes qu'il t'y fait devant la face de Dieu. Il t'y est arrivé 20 Golgotha, c'est pour cela qu'il met les débouts après qu'il finit sa trois prière là. Et il y a ce même disciple, non allez, parce qu'il finit arrivé là maintenant qu'il ne peut pas être crucifié. Vous montrez aux pharisiens qui, trois toujours encore. Un coup, il fait la prière là, il fait lire un deuxième coup, il fait lire un troisième coup, une frappe là-dedans. Il disposait cette fois-ci pour faire face à Golgotha. Chiffre 3 toujours. En fait, les chiffres 3 dans la Bible, d'après Ésaïe 63, verset 3,
ou plus ou moins. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 56, verset 3. Il veut dire, le chiffre 3 veut dire l'emphase. Ça veut dire ça? Il faut mettre l'emphase dans la guérison. Il faut mettre l'emphase dans le salut. Il faut mettre l'emphase dans la foi. L'emphase veut dire, il met beaucoup poids. Il pèse poids beaucoup. Il met beaucoup l'importance, voilà. Il met beaucoup l'importance. Qui fait dans Ésaïe 6, verset 3, le chiffre 3 veut dire l'emphase, parce qu'il dit Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Trois fois, il dit Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Est-ce qu'il peut dire que Dieu dit seulement trois fois Saint? Dieu une fois Saint, deux fois Saint, trois fois Saint, et puis il n'est plus Saint encore. C'est pas ça. Le chiffre 3 veut dire totalement. Dieu dit totalement Saint. L'emphase, la totalité de la sainteté de Dieu. Ça, c'est une introduction simplement pour gagner l'idée qui fait les causes l'oreille, qui fait les causes la main droite, qui fait les causes le pied droit. Parce que trois, mais si à travers ça, trois organes-là, découvrent totalement la consécration dans la vie d'un enfant de Dieu. Total. Dieu n'y parlait une consécration en partie dans la vie de ce même enfant. Dieu lui atteint une consécration totale de la part de son même enfant. Dieu voulait s'il a 365 jours, ses enfants consacrés 365 jours. Dieu voulait s'il a 12 mois, il voulait que ses mêmes enfants consacrés 12 mois. Cause avec eux maintenant, pharisiens, de sa côté, l'oreille consacrée. Bon Dieu voulait qu'il nous l'oreille consacrée totalement. Qui veut dire l'oreille consacrée totalement? Vous connaissez nous l'oreille, c'est un organe qui permet nous percevoir un son. Vous pouvez causer avec vous, c'est un son qui peut sortir. C'est nos oreilles qui permettent nous entendre un son. Et l'oreille est très très importante dans la vie du monde. Quand on arrivait à étudier, Moïse prend 10 ans et met dans l'oreille droite, lobe l'oreille droite, et puis met 10 ans dans la main, pousse la main droite, dans la hauteur du pied droit, il peut montrer que tout ce qui concerne la vie du monde il commence par ses oreilles d'abord. Tout et tout et tout, on peut arriver à comprendre. On accumule connaissance, on accumule savoir-faire. En anglais, on appelle ça skills ou bien knowledge. Tout passe par les oreilles, ensuite il rentre dans le cerveau. En fait, notre cerveau, c'est un stockage. C'est dans notre cerveau qu'il y a la mémoire. On accumule une information, on accumule une connaissance négative et comme positive aussi. Tout ne rentre pas aux oreilles. Tout passe pas aux oreilles et puis il rentre à l'intérieur. C'est aux oreilles qui dictaient qui vous la met bien faire, c'est aux oreilles qui dictaient qui vous les pieds bien faire. Parce qu'il passe pas aux oreilles, vous gagnez une nouvelle, et faire ça, il passe dans tes oreilles, il rentre dans ton cerveau, il communique dans ton lame, te fait dire. À la boutique, il passe dans tes oreilles, il rentre dans ton cerveau, il passe dans les pieds, te les pieds fait dire. Qui veut dire, peuple de Dieu, nos oreilles sont trop importantes pour nous permettre n'importe quoi rentrer là-dedans. Un oreille consacrée, c'est un oreille qui permet simplement le sceau de Dieu pénétrer et passer là-dedans. Parce qu'il n'y a pas quoi qui passe par nos oreilles, qui est négatif, qui est positif, et pour une répercussion dans nous la vie. Pour nos actions, et pour nous, la mosse,
parce qu'il cause la main et cause les pieds. Tout ça, pharisien. Tout ce qui passe dans nos oreilles. Nos oreilles sont trop importantes dans nous l'écho. Saint-Dimon, ce n'est pas bien raffiné, nos oreilles raffinées. On a dit que ses oreilles fines. C'est un monde qui moins de son l'étendait. Donc je n'ai pas fait un petit monde quand je dormis, je tellement dormi, je demande dormi profond, qu'ils n'ont pas tant moins de son. Ben du monde quand les autres sont, ils ont amené dans le plan, ils ont pas connu, ils ont jamais cassé là-bas. Mais un monde un petit moustique fait vous 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 dans ses oreilles, ils sont jamais fini cassé. Une oreille qui fine. L'oreille est trop importante, pharisien. Qui vous tendez? Qui vous acceptez pour laisser rentrer dans vos oreilles? Mais vous montrez-vous, pharisien, comment, et pour nos oreilles, nous ne pouvons pas gagner la foi, et pour nos oreilles, nous ne pouvons pas gagner doute aussi. Nos oreilles capables de nous gagner la foi, nos oreilles capables de nous gagner doute aussi. Nous aurions capable de nous gagner l'assurance, comme nous aurions capable de nous gagner la peur aussi. Nous aurions capable de nous prendre une bonne décision, comme nous aurions capable de nous prendre une mauvaise décision aussi. Donne-nous la vie. Pas seulement côté spirituel, dans n'importe qui du monde qui existait là sur la terre là. N'importe qui personne qui existait là sur la terre là. Pas oublier, pharisien, pas oublier. On dit bien, pas oublier que Satan, tu mettais en doute sa logane là même au commencement. Tout à fait venu au commencement même. Et tu mettais en doute, est-ce que bon Dieu finit réellement dire ça? Qui dit peut-être cité pour ça? Et tu peut-être cité que c'est film bien tendé. Imagine bien. Il tourne tout ça même tout le temps. Tout qui se tourne là-bas même dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Dieu a-t-il réellement dit? Quand ça sonne, Dieu a-t-il réellement dit l'avenir? Je veux dire, est-ce qu'il te fait bien tendre, qui est bon de te dire? Est-ce qu'il finit dire vraiment si tu mens à tes beaux mots? Tu n'as pas fait bien tendre, tu n'as pas fait bien tendre. On est fait dire si tu mens ça, le contraire. Tu n'as pas beaux mots. Car bon de te dire quand tu mens à tes beaux mots. Les oreilles. Nous, la vie spirituelle, nous, l'avenir spirituel. Quand nous vous passons l'éternité, il dépend de qui nous tendez, frères et sœurs. Quand nous vous passons l'éternité, qui bon Dieu ou les faire dans nous la vie, il dépend de qui nous tendez. Qui Satan ou les faire dans nous la vie, ça aussi dépend de qui nous tendez. Dieu a-t-il réellement dit? Mais tout est-il comment nous dire, quand nous aurons les plus pensées, quand nos oreilles n'ont plus pensé. Et qui t'a donné une définition de l'oreille? Il dit l'oreille, c'est la porte d'accès à nos pensées. Nos oreilles, c'est la porte qui permet d'accès dans nos pensées. Soit nos pensées viennent négatives, soit viennent positives, c'est nos oreilles. Il fait bien, frère Richard. Attention, l'eau, nos oreilles. C'est un port d'accès à nos pensées, à l'intelligence. Quand les causes de l'intelligence, c'est notre cerveau, l'intelligence. L'intelligence, il est là pour capter. Right? Et il accumule, il capte, et ce négatif, et ce positif. Et il enregistre les mémoires. Il enregistre. Et ce positif, et ce négatif. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Louange à toi. Job chapitre 12, verset 11. Lisez-nous tout simplement. Job chapitre 12, verset 11. Vous voulez aller ou juste écouter? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. L'oreille, c'est un organe qui distingue des paroles. C'est nos oreilles qui permettent nous de distinguer une bonne parole. Nos oreilles. Dieu finit créer nos oreilles avec la capacité
pour faire la différence dans ce qui nous tendait. Ça aussi, mon, en jetant un petit coup d'œil dans ben, bien sûr, l'importance d'un l'organe comme l'oreille, il dit ok, Dieu finit de mettre dans vos oreilles ben poil, ben sévère, mais enfin, pas dire sévère, enfin poil. Right? Et ce travail, c'est comme si pour empêcher ben poussière rentre à l'intérieur, parce que s'il rentre à l'intérieur, il y en a même qu'à un moment donné, pas pour tendre clairement, et il y en a qui ceux qui peuvent bien le tirer. Vous n'écoutez pas tirer ça. Mais il y a ce côté spirituel aussi, qui l'oreille, c'est un organe qui est bon Dieu fin de nous, pour nous capables de discerner une bonne parole. Quand Dieu nous cause avec nous, nous connaissons sa parole-là, les positifs ou bien les négatifs, est-ce qu'il est une bonne parole ou bien une mauvaise parole? Est-ce qu'il conseille là un bon conseil ou bien un mauvais conseil? Est-ce que parole-là est vienne de Dieu ou bien parole-là n'est pas vienne de Dieu? Les oreilles permettent nous de faire cette différence-là. Il y a un cousin qui nous a un petit causé au niveau de la musique, au milieu du musical, de cause avoir l'oreille. Il y a un cousin qui dit, tu n'as pas une oreille, tu peux dans l'oreille, tu n'as pas une oreille, mais tu peux dans l'oreille. L'oreille c'est l'aptitude à reconnaître les sons musicaux, les mélodies. Un cousin qui, quand quelqu'un il rentre dans la musique, ou bien quelqu'un rentre dans les chants, il a besoin de l'oreille. Parce que si c'est pas dans l'oreille, la nuit ils sont en travers, vous connaissez pas ça. Dis quoi, ils sont en droite et ils sont en travers, c'est moi. Et la musique là, si ils sont dans l'oreille, ils sont en travers, ils vous connaissent plus de droite. Si quelqu'un est dans l'oreille, ils sont dans l'oreille, ils sonnent. Vous finissez d'en dire, non? Ils sont en droite, tout de suite. Gagnez-les. Quand moi, j'étais, moi, si moi, un qui se. Ils sont dans. Une fois, ils sont dans un cantique, un cantique, un cassette. Il y a un petit un cassette. Un son là-dedans sonne mal, moi je dis maintenant, un son sonne mal là-dedans. Ils sonnent directement, ils sont là totalement travers. Et pourtant, quand c'est plus un album, on dit ben, quantique, c'est un album quantique, moi je dis. Hein? Son. Quand on a l'oreille, vous pouvez faire la différence là. Parce que c'est même que vous trouvez qu'il demande chorale, demande musicien bien sûr, il a besoin de l'oreille. Parce que vous pouvez faire la différence. Donc, au contraire, la lame qui. Ou bien tout cas, t'es phonie là. Tout cas, t'es phonie. Hein? L'oreille est tellement importante. Merci Seigneur. Bon. Est-ce qu'il y a une différence entre écouter avec entendre? Parce que l'oreille fait nous entendre et il fait nous écouter. Nous besoin écouter. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre entendre et écouter? Entendre? Je vais entendre la musique là. Je vais entendre. Si un con peut manger, je vais entendre un manger. Ça entend, je vais entendre un son. Je vais entendre un oiseau crier des hauts en même temps. Je vais entendre un chihuahua pleurer. Je vais entendre plusieurs sons en même temps. Ça c'est entendre. Je vais entendre tout en même temps. Écoutez, je veux dire. Mon poète foi, un seul son. Je peux entendre la musique, mais si je me dis, je écoute la musique là, je écoute juste tout seul. Je ne peux pas prendre compte que les autres sont bien entendus là. Je serai là pour l'attention, le son là tout seul. C'est vrai qu'on comprend. Il y a une différence entre écouter et entendre. Donc, comment on peut entendre la parole de Dieu, mais si on ne peut pas écouter la parole de Dieu? Comment nous connaissons quelqu'un qui finit entendre, qui finit écouter la parole de Dieu? Parce qu'après qu'il est sorti là, il met en pratique ce qu'il finit entendre. Parce qu'il dit, pas beau nous y écouter, nous y pratiquer. Zach dit ça. Il dit, il met pratique la parole de Dieu en rapport avec écouter. Il dit pas qu'il pratique la parole de Dieu en rapport avec entendre. Il dit, pratique la parole en rapport avec écouter. Il dit, quand vous écoutez, là vous y mettez en pratique. Si vous entendez, vous mettez en pratique, vous y standez. Vous donnez un son dans vos oreilles. Ou peut-être vous finissez d'entendre ce son-là paraît bon, c'est tout. Écoutez vite dire ou prêtez attention. C'est que vous prétendez. C'est pour cette raison, frère et soeur, qui beaucoup de fois nous trouvons un enfant de Dieu, pas grandi,
Parce qu'ils entendent la connaissance, mais ils pas écoutent la connaissance. Ils pas écoutent la connaissance. Ils entendent la connaissance. Ils entendent parole précise. Ils entendent bien l'enseignement. Ils entendent qui bon Dieu les faire vous autres. Ils entendent qui bon Dieu capable de faire vous autres. Mais je pas écoute ça qui bon Dieu capable de faire pour eux. C'est ça la différence. Et quand je peux écouter ce qui bon Dieu pour eux, c'est plutôt ce qui bon Dieu ou les faire pour eux pour réaliser dans la vie. C'est tellement important. Frère, Romains chapitre 10 verset 17 dit à nous comme ça: la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais peut pas cause écouter là, frère. La Bible peut cause écouter. Il dit: la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi, vous dis une affaire. Qui fait les causes des fois entendre. Écoutez, veut dire, ou écoute, puisque des fois, ce que vous finissez d'entendre. Vous entendez la musique, vous commencez à écouter au coin de coup, bien. Sans qu'il appelle là, la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend. Il dit ça des fois. Il n'est pas juste écouter. Il n'est pas juste entendre. Puisqu'il entend, il dit écoutez là. Là, vous pouvez écouter. Vous prêtez foi. Vous prêtez l'attention. Vous prêtez l'oreille. Merci Seigneur, il est tellement important. Et moi, tu vois un verset, frère, ça qui est tellement important. Un verset qui est tellement important. Dans Ésaïe 50. Ésaïe 50. Qui dit à nous, pharisiens? Le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ça, c'est un autre message dans les mêmes. Qui veut dire une langue exercée? Une langue qui est disciplinée. Voilà. Voici la langue cible, j'ai fait un travail aller après. On ne sait pas quoi c'est. Ou la langue. On a dit la langue pénalise. Mais David dit, moi, quand même, il y a un frein. Voici les pénalisés, même qui veut dire un frein. Ça, c'est un autre message dans les mêmes. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Dieu éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Extraordinaire, pharisien. Bon Dieu parle qu'il seulement nous écouter. Il dit, nous devons écouter comme un disciple. Qui veut dire éveille chaque matin mon oreille? Dieu lui ouvre mes oreilles. C'est la prière, ça, pharisien, connaît. Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je ne t'entende quand tu causes avec moi. Beaucoup de fois, pharisiens, nous ratent ma bénédiction, nous ratent nos buts. Parce que Dieu les cause avec nous, nos oreilles les trop comme si influencées, les trop préoccupées, voilà. Nous oreilles trop préoccupées avec ma question qui nous a bien tendu tous les jours, qui quand bon Dieu causait nous pas tendu, pharisiens. Et vous connaissez bien une affaire, pharisiens? Quand bon Dieu pour causer avec vous, il y a vous tapas, il y a vous faites tapas pour causer avec vous, il y a vous causer calme avec vous. C'est même qui appelle l'enseignement, ça. Right? Parce que quand on va à l'école, un prof vous dit 3 plus 3 fait 6, 6 plus 9 fait 9. On va faire comme ça avec vous. Et vous dites 3 plus 3 fait 6. Ça, c'est l'enseignement. Dieu dit cause calme avec un démon quand il met quelque chose dans ses oreilles pour les comprendre. Mais criez là, pas à ce moment-là qu'il bon Dieu peut cause avec vous. Si bon Dieu n'a quelque chose pour lui cause calme avec vous, tranquillement, elle n'a pas au jib manusia pour qu'attendez tout ce temps où lesquels bon Dieu cause avec vous. Bon Dieu l'éveille aux oreilles. Nous avons besoin d'oreilles éveillées, frères et sœurs. Pas des oreilles endormies. Pas des oreilles lourdes. Dire. Le contraire d'une oreille raffinée, fine, c'est une oreille dure. C'est tellement important, frères et sœurs. Dieu dit éveille mes oreilles. L'éveil aux oreilles. Vous avez une affaire, pharisien. Écoute-moi bien, moi, vous dire où. Je suis content qu'il écoute bien, que je peux dire. Bon Dieu, dit cause à travers ses paroles. Car chaque fois où on entend le message de Dieu, bon Dieu, cause avec vous. Mais il y a beaucoup qui s'occupent d'un écrire dans la Bible, qui vous disent écoute la voix, bon Dieu, qu'on est qui vous voyez. Parce que dans la Bible, pas pour écrire, pour marier avec Fifi. Mon madame m'appelle Fifi. Pas si qu'il y a Richard, pour marier avec Fifi. Pas fini d'écrire dans la Bible, ça connaît écrire ça. Si vous trouvez ça dans la Bible, vous pouvez me trouver. Vous trouvez ça dans la Bible. Je suis content de trouver ça dans la Bible.
Quand il y a Richard, moi, avec Fifi. Je ne pas écrire ça. Mais quand il y a Richard, pour t'envoyer telle place, Richard, pour telle affaire. Quand il y a là dans Richard, pour venir un pasteur. Je ne pas dans la Bible, ça, pharisien. Ça, faut des bons dieux qu'on a aux oreilles à part. Il y en a qui ceux qui m'ont dit beaucoup à part. Personnellement avec vous. Parce qu'il y a une affaire personnelle pour vous, il y a beaucoup avec vous personnellement. Mais vous êtes à ce moment-là, l'écoute. Permet que bon Dieu cause avec vous. Parce que bon Dieu cause, il vous cause tellement d'une façon avec douceur. Il y a nous, Dieu qui manifeste sa puissance d'un manière doux et léger. Quand là, il y a qui bon Dieu dans tempête, bon Dieu dans tremblement de terre, bon Dieu dans éclairs, dans le diffé tombé. Bon Dieu manifeste lui-même par une manière doux et léger. Mais doux et léger, les pose avec vous. Mais l'oreille, parfois quand les causes comme ça, nous attendons. Parce que tellement nos oreilles préoccupées. À cause de la cause ici, éveille mes oreilles. Vous voulez que chaque matin, mes oreilles les éveillent. Pour mon capable d'écouter comme un disciple. Qui veut dire écouter comme un disciple? Vous voulez qui veut dire écouter comme un disciple? C'est quelqu'un qui, un disciple veut dire quelqu'un qui peut apprendre, qui peut learn, apprendre. Quand un maître peut enseigner quelque chose, ses oreilles bien écoutent bien que ça mette là pour dire si toutefois il a envie de vivre pareil comme un maître là. Si toutefois il a envie de vivre pareil comme un maître, il écoute bien qu'il peut dire. Pourquoi les pharisiens parfois quand on demande l'examen, c'est tout qu'on a un examen dans l'université, dans l'école, dans le collège. Manager de mon professeur, donne un petit tips avec vous. Donne un petit tips avec vous. Tips. Et tu aurais dit, écoute bien ce qu'il me dit et crée ça même. C'est un tip ça. Écoute bien ce qu'il me dit ces derniers temps-là. Écoute bien. Je ne vais pas vous dire, après Paul le télécisé, il vous dit, qu'il soit dans sa parole, que vous écoutez bien. Si vous n'écoutez pas bien, vous entendez. Tout le monde a ce témoignage-là, il m'a dit ça pour ceux qui amènent, écoute-moi. Right? Mais j'ai eu l'occasion de suivre un cours universitaire. Et tant que je travaille dans le ministère de la Sécurité sociale, je suis un cours de l'université. Quand le ministère est sponsor, moi, par exemple, c'est un cours-là, il y a beaucoup de jeunes qui font sortir l'école. Un TSC, un jeune. Right? Et moi, je suis là-haut, 40. Comme un jeune, 22, 23, dans l'université. Quand je cause avec moi, je t'appelle ma ton. C'est comment je dis ça? Ton. Ça va ton? On peut quand débrouiller la ton? Ah bon, je veux pas moi trop ton. Trop ton là. Hein? Trop ton. On peut quand débrouiller? L'examen est venu. Vous voyez que moi, pourtant, pas question de la parole de ça. Moi, un lecteur a déjà dit ça. Ça m'a dit, oh, il dit, écoute bien ce qu'il me dit. Mais quand il explique, ben, c'est souvent des fois, il fait une illustration. On comprend, il raconte, il met l'exemple, qu'il aime, il crée, ou bien il peut trouver ça quelque part. Il est mal composé. Vous connaissez mon verre? On donne l'exemple qu'il a donné là, exactement ce qu'il vient de donner. Bien sûr, il a mentoulé avec l'expérience qu'il a dans le ministère. On donne ça l'exemple là, exact. Et en résultat, ce qu'il dit, oh. Ton passé, dit. Ton passé. Quand tu es un espéricide, que vous avez composé. Bah, dis non, ton, hein. Vous me dites, ok. Il vient les oreilles, ou bien. Il paraît. Dans tout qui se fait comme ça, on est Dieu lui causé. Dans ce parole, capable, toute sa parole que vous pouvez dire là, capable, vous n'avez pas trop de sens, vous concernez avec tout. Mais il y a une parole qui poupou là-dedans. Parce qu'imagine bien, ça, quelqu'un qui dit, Jésus, tu connais. Il y a seulement un mot mon serviteur pour guérir. Pourtant, un mot même qui suffit pour ce serviteur guérir, pourtant que ce serviteur qui paralysait le lili variseur. Un mot mon serviteur pour guérir. Il n'y a pas de mot besoin. Écoute bien tout ce que Jésus vous dit, mon capable de guérison, mon serviteur. Un mot. Seigneur dit, donne un mot, mon serviteur, ce serviteur guérit, variseur. Pas un mot tout seul. Allez. Il peut être fait comme on te peut dire. Un mot. Allez. C'est un mot là, ça. Allez.
La seule quand ça l'air qui signe lui aller là, ça veut dire que Rizambo, ça l'air qui signe lui aller là même. Guéri tout de suite. D'accord. Le Seigneur m'a ouvert les oreilles, je n'ai point résisté. Faudrait pas nous résister quand bon Dieu cause avec nous, peuple de Dieu. Faudrait pas qu'il nous rébelle. Faudrait pas qu'il nous oppose ce qui bon Dieu dit. Nous pas ça, ça cause, sa parole qui bon Dieu peut dire nous là, dit pour bon pour nous ça pharisien. Il pour bon pour nous. Je ne me suis point retiré en arrière. Qui veut dire retiré en arrière? Une des bonnes versions, il dit nous, pour ne pas finir tourner les deux sa parole là. Quand bon Dieu cause avec nous, nous ne pas tourner les deux pensées, sa parole là pour faire nous du bien. Parole là, fait nous du bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 8, ah, merci Seigneur. Et qui est-ce qui dit à Pharisien? Est-ce qui dit à verset 18? Luc chapitre 8, verset 18. Prends garde façon qui t'écoutait. Ah bon? Qui façon qui nous écoutait, pharisien? Il est tellement important. Prends garde. Nous devons veiller à cause de ça qui est dans Esaïe. Il dit, Seigneur, éveille chaque matin mes oreilles pour qu'il ne puisse pas écouter comme un disciple. Parce que je suis comme un disciple qui est discipliné. Voilà. Disciple veut dire aussi discipliné. Une oreille disciplinée. Vous connaissez nos oreilles, pharisien? Il ne faudrait pas les venir. Un organe qui tout rentre là-dedans. Ou pas capable de permettre tout ce qui te rentre dans aux oreilles. Ou même autant même parole qui pas vient de Dieu qui est négative, même parole qui pas de Dieu, ou bien une façon de parler comme on dit, bouche aux oreilles. Alors que c'est qui te donne moi dire qui une fois nous besoin avec. Déclare avec, une fois nous devons déclarer sous, une fois nous devons déclarer mieux. Qui fait? Parce que tu peux dire, moi vous dire moi aussi, on va baisser mon niveau pour dire telle affaire. Vous pouvez attendre, mon bouche, mon oreille, mon déclare sous. Mon truc qui se déclare avec, pas trouvé. Ce qui fait? Tout qui se capte négatif, si vous faites obliger, dit vous faites auditeur. Tout qui se capte négatif, si vous ouvrez aux oreilles, il faut faire auditeur. Tout qui se capte négatif, si vous ouvrez la bouche de ma négativité là, il faut faire auditeur. Est-ce que vous faites? Vous avez besoin d'ouvrir aux oreilles, ouvrir aux yeux, ouvrir la bouche, juste ce qui vont les dire, les paroles de celles là où tu vas réussir, où tu vas avancer. Prenez garde la manière que vous écoutez. Matthieu chapitre 15, verset 10, est-ce qu'il dit écoutez et comprenez. Je peux expliquer ça un petit coup de là. Matthieu chapitre 15, verset 10. Et qui disait à nous ici? Matthieu chapitre 15, verset 10. C'est ce qu'il dit, écoutez et comprenez. Il met écoutez et comprenez. Une version dit, écoutez pour comprendre. Comment on écoute? Nous devons écouter pour comprendre. Écoute la parole de Dieu, bien sûr. Écoute les instructions de Dieu, bien sûr. Écoute ce que bon Dieu dit à nous. Que bon Dieu les communique avec nous. Parce que nos oreilles, c'est un organe qui accumule connaissance. C'est ce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment il peut dire que vous connaissez la vérité? C'est que vous tendez. Quand vous connaissez la vérité, le bon Dieu, vous connaissez la vérité, le salut, vous connaissez la vérité, le pardon, vous connaissez la vérité qu'il est capable de guérir, vous connaissez la vérité qu'il m'a dit envie de réussir, quand vous connaissez la vérité qu'il m'a dit envie de s'avancer, quand vous connaissez la vérité qu'il m'a dit envie de sauver les autres, qu'il m'a dit compte en autres, mais sa vérité-là, pas franchise, veut dire pour un autre libre, veut dire vous faire l'expérience de cette parole-là. Il faut les autres écouter, il faut les autres écouter, pas juste entendre, mais écouter. Combien de monde qui n'entend la parole, frère et soeur? Encore maintenant, actuellement, il y a beaucoup de messages sur Facebook, sur YouTube. Il y a du monde rentré, je te look un coup. Je t'entendais même, mais seulement je n'ai pas écouté. Écoutez qui bon Dieu attend. Et c'est ce qu'il dit bien. Si quelqu'un qui finit écoute la parole de Dieu, il ne peut pas mettre en pratique. Il y a quelqu'un qui me battait sur la carte, il dit ça. Quand Dieu va venir, tempête venir, cyclone venir, la carte disparaît. Mais si quelqu'un finit entendre la parole et met en pratique, il dit du Pokémon quelqu'un qui m'attire sur la grâce, l'eau le roc m'attire sur la vie, chose que celle qui est solide, tempête vini, cyclone vini, l'itiniferme. C'est ça qui est tellement important. Nous écouter, nous tendre et nous vivre, c'est ça.
Pratiquer veut dire vivre, c'est ça qui veut dire. Mais c'est parfois la même que dire que tu as un mot. Pratiquer, aïe, papa. Nous, quand tu attendais, pas quand tu pratiquais, dis ça. Pratiquer, fatigue, non? Pratiquer veut dire vivre, faire l'expérience. Faire l'expérience avec une parole, c'est ça qui veut dire. Pratiquer veut dire faire parole, faire se l'effet dans la vie, voilà. On t'en dit, laisse vivre une vraie en haut. Parce que vous n'êtes pas étendu, vous avez fait l'expérience avec parole là. Vous vous êtes donné l'occasion de faire ce travail. Et nous, tu connais ça de récemment. Qui? Quand bon Dieu cause avec vous, ça même tu causes avec vous, oreille droite, cause oreille gauche. Vous rappelez, tu causes côté gauche, côté droite. Ou même oreilles en haut spirituel qui peut faire au quoi de la bonté. En haut même, il y a une oreille pour dire où? Et ça, Pliton ne va pas ça. Et la parole de Dieu, ça, sa côté gauche, ça, c'est sa côté en haut qui est négatif, qui fait haut résister, qui fait haut pas obéir. Mais sa côté droite, là, sa côté en haut qui dit oui, mon temps, bon, il causé, bon Dieu, fin cause avec moi, mon corps en lit, mon simplement croire dans sa parole. Il dit nous, écoutez pour comprendre. Comment nous écouter, Faris? Dans l'école, dans le collège, partout, dans l'éducation. Dans n'importe même un travail. Si on peut apprendre un travail, il écoute bien quand quelqu'un peut montrer comment faire ce travail. Dans l'école aussi, pareil, quand on peut montrer, l'éducateur ou bien l'éducatrice peut expliquer, peut faire montrer. Il écoute bien pour connaître, faire exactement ce que Dieu a fait là. Et pour marcher, il faut un qui fait marcher. Là qu'il dit, nous peut écouter comme un disciple. Un disciple veut dire ce qu'il se met là pour montrer lui. Il peut écouter pour permettre que ce qu'il met là puisse aller vivre une réalité dans sa vie. Demain, s'il vient de mettre cette fois-ci, non, c'est un des autres cinq là comment vous avez fait ça. Merci Seigneur. Nous donnons un exemple encore, frères et sœurs. Marc chapitre 12, verset 37. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Comment nous devons écouter? C'est ce qu'il dit. Comment nous devons écouter? Écouter pour comprendre? Et puis il dit, hein, chapitre 13, Marc chapitre 12, le verset 37, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il dit? David lui-même l'appelle Seigneur. Et comment donc est-il son fils, etc. Et une grande foule, parce qu'on a un rapport avec Jésus, hein, une grande foule l'écoutait avec plaisir. Est-ce qu'il y vaut même plaisir pour nous quand bon Dieu cause avec nous, quand bon Dieu... ou les révèle sa volonté dans nous. Qui place la parole de Dieu dans nous la vie? Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu avec plaisir? Avec plaisir veut dire avec joie, avec contentement, avec excitation, avec motivation. Comment on écoute la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un problème pour nous écouter la parole de Dieu? Par exemple, quelqu'un dit, il dit, il y a du monde qui dit comme ça, qu'on est frère, ma parole de Dieu commence pour essayer de gagner un sommeil. Lorsqu'on parle de Dieu pour essayer de gagner un sommeil, eh bien, quand ben les autres qui l'écoutaient ou bien les guettaient, ils n'ont pas gagné un sommeil. Il y a un problème. Ou bien c'est quelqu'un qui cause lui, qui raconte les affaires qui pas concerné son camarade, là il écoutait ses oreilles grand ouvertes. Ah bon? Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ah bon, tiens. Ah bon, pas dire à moi. Pas dire à moi. Bon, ben, dis à toi là. Non, tu arrives ça. Là, là. Fini là. Et qui est là? Qui est là? Non, mais écoutez, ça me. Là, il peut envie de connaître qui arrive ça, dit mon là. Il va s'il est arrivé, connaître qui n'est arrivé. Il va son pétard après là. Ça, comment nous écoutons la parole? Est-ce que dans même l'enthousiasme, mon corps, si je fais une vignée ce matin, c'est parce que c'est un plaisir pour venir dans la présence de Dieu. Pourquoi pas tu voulais là, tu voulais là, tu voulais ailleurs? C'est un bon signe quand même. C'est parce que c'est un rôle important pour venir dans la présence de Dieu. Tout ça, la bonté qui était pharisien. S'il finit écrire dans la Bible qu'il y a du monde, tu peux écouter avec plaisir. C'est parce que bon Dieu, ou les qui, à chaque fois qu'il nous vient dans sa présence, nous vient avec plaisir. Nous comptons pour venir.
Belmen dia pou pas la carte aller à belmer. Wen belmer même vous. Oui, wen belmer même vous. Tantôt vini parce que moi pas l'église grand matin. Parce que moi besoin d'écouter la parole de Dieu. Belmer. Après moi écouter. Mais si les autres, qui ceux qui passaient dans place pour venir écouter la présence, la parole de Dieu, pour passer même dans la présence de Dieu, veut dire il y a un problème quelque part, pharisien, il y a un problème quelque part. Faut pas dire que nous la vie spirituelle est en danger, pharisien. Vraiment, nous la vie spirituelle est en danger si nous avons cette tendance là. On les a comptés là, moi j'ai donné un petit homework, homework. Hein? Combien fois depuis qu'on nous a écrit? Combien de fois depuis qu'on nous inscrit qu'on est absent de l'église? Quel tiers-tu? Lola aura nos réponses, ou même, ou finir qu'on nous dit, comment vous avez rectifié les tiers, ça m'a dit. Vous avez rectifié, il y a non, dorénavant, autant que possible. Amen, amen, il y a des affaires qui sont vraiment impossibles pour qu'elle dérange même. Là, il y a d'autres affaires. Mais si pour une oui, pour une raison, qui, pour une oui, pour une non, nous dire, pas une raison vraiment justifiée, valable, pour absent de la présence de Dieu, pour, dans la présence de Dieu, il dit, vous n'écoutez la parole de Dieu, mais c'est un cantique pour mon Dieu, là. C'est tout à même. Si pas valable, ben, nous bien rectifier les tirs. Luc, ça fait 10. Il parle vite, là, cause nous bien terminer après, là. Nous sommes dans le rayon encore, là. Ouais. Luc, ça fait 10. Le verset 39. Vous connaissez sa madame qui s'appelle Marie? Qui sont ceux qui connaissent Marie, ici? Right? Marie. Pas Marie, maman de Jésus, là. Vous pouvez causer avec vous, Marie, qui se sait, s'appelle morte. Il dit à nous ici, Pharisée, qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Le verset 39. Morte avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds de Jésus. Écoutez la parole. Marthe occupée à divers soins domestiques sur un vin et dit etc. Ça vous écoutez la calme parce que vous avez sa position, posture, mettre assise pour écouter. Une posture qu'un dimon prend, il définit pharisien et son attitude vis-à-vis de ce qu'il vous tendez, son posture. Posture, c'est un grand rôle. Marie, Marthe aussi, tu peux tendre quand est-ce que tu peux causer. Parce qu'il peut occuper de la cuisine, tant Jésus peut, il peut entendre Jésus peut causer. Il peut entendre Jésus peut expliquer la parole. C'est mal, il peut occuper tout en même temps, il peut avoir un bon manger pour Jésus, parce que Jésus finit la case. Tu vois? Un bon repas. Mais Marie, il peut entendre la parole, Marie, tu peux écouter la parole. C'est ça la différence. Et Jésus finit prendre plaisir avec Marie. Il dit, il finit choisir la bonne porte qui jamais vous capable sortir dans la vie. C'est une bonne porte qu'il choisit. Moi, tu peux tendre la parole, mais seulement il peut écouter la parole. Il peut tendre Jésus, il peut dire quelque chose. En même temps qu'il peut tendre Jésus, il peut dire ça. On ne connaît pas ce que tu peux faire poisson dans ce jour-là. C'est à l'époque là, maintenant tu manges beaucoup poisson. Poisson, c'est ce que manger mène, ça. Master, autant de monde dit à Farad, à Tchirou, Tchipouri, Briani, etc. C'est à l'époque là, le poisson. Il faut passer poisson. Un petit peu dans l'époque Gordé, quand on dit à Gordé, tout cas, t'es qui se appelle poisson, ça me connaît. Une semaine, nous mangeons, nous mangeons fifi. Et moi, dans l'époque, dis-moi, tu manges 10 poissons, nous, à l'époque, là. Hein? Bouillon poisson, la deux poissons, masala poisson, satiné poisson. Et poisson, tu fais encore, fait criade poisson. Hein? Tout cas, t'es poisson, ça me connaît en tête. Tu crois? Mais c'est à l'époque, là, tu veux te rendre devant mes supplications, ça dit, pain, poisson, dis ce que tu fais. Fais même PCR, la pêche gros poisson, les autres, la vie, etc. Ouais. Pas bien dire tout, non, manger pas bon là. Hein? Si Jésus-Christ finit de faire du mouvement de poisson, c'est parce que poisson bon pour la santé. C'est un homme de Dieu qui disait ça tout le temps. Il y a si Jésus-Christ finit de faire, il y a, c'est quelqu'un des montants, 10 pains, tu pas vous donner. Grosse, c'est parce que 10 pains pour autant. Hein? Il y a 5 quelqu'un des montants, poisson, tu as donné scorpion, c'est parce que 10 poissons sont pour autant. C'est quelqu'un de montant 10 F. Hein? Tu vas vous donner qui ce qui n'est pas bon. Détruire. Il y a 10 F nous qui avons mangé poisson qui n'est pas bon. Vous faites publicité, frère? Non, pas publicité, ça. On peut dire, ok.
ce que la Bible dit là ici. La Bible dit, ouais, le monde disait, disait, c'est quoi peut-être Dieu, moi, disait tout seul, on gagne la zone, il faut venir prier pour moi, on gagne la zone. Ça, c'est l'esprit. Il y a un problème. Il m'a pas dit. Mais c'est ce que je peux dire là. Mort capable de quitter ce jour-là, il peut tant de se causer en même temps, mais tant de son carré, il peut crier tout ici. Mais Marie, tu peux assise. Assise veut dire, il s'est positionné dans une position qui existe pour tant de ce qui existe. C'est ça qui est plus important pour lui là. Manger pour venir après, l'autre pour venir après, mais Jésus là, il est plus important, sa parole. Tellement important. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. D'accord? Le peuple de Dieu, nous avons besoin de terminer même à cause d'un rayon là, midi. Mais tu dis-tu qui me l'a dit, qui est quelqu'un dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un prophète qui s'appelle Samuel. Qui sont ceux qui comptent Samuel ici? C'était un prophète. Je te connais que son moment est stérile. C'est parce que Dieu t'y promettait qu'il pourrait arriver à mettre au monde un garçon. C'est là que son maman t'y dit avec Dieu, puisqu'il te met demain un garçon, ce garçon-là peut être consacré depuis son enfance dans le temple. Mais Dieu, il grandit dans le temple, il reste là, il grandit, les coups de main sacrificataire, toujours fait le travail de Dieu, il grandit dans le temple. Et Samuel fait accès de ce Zanaz, il est dans le temple. Il peut servir le sacrificateur qui s'appelle Élie. Pas les prophètes Élie, mais le sacrificateur qui s'appelle Élie. Où il y a dit là-bas dans 1 Samuel, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Samuel peut dormir le soir, il est en train de la voir crier, lui, Samuel. Qui sont ceux qui n'attendent notre nom crier à soir? Samuel? Mais sinon, vous m'entendez? Vous avez entendu crier ce nom à soi? Frère Edley, amen? Amen? Maman entendait plusieurs fois. À soi, quand vous avez dormi. Puis il fait crier, Rissard! Madame, vous avez crié à soi, quand vous avez dormi? Yeah, il a crié. Bon. La mauvaise idée ici, Dieu criait. Crier Samuel, Samuel. Samuel ne connaît pas Dieu qui peut crier lui. Samuel galopait dans l'ensemble quand Élie était. Il dit, Seigneur, il appelle son maître. Oui, maître, mon mingue tout, oui, tu appelles moi là. Élie dit, non, je ne vais pas crier tout. Il allait, il a dormi. Il retourne crier son nom, Samuel. Il relevait, regalopait, vint côté Élie. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs disent, non, pas de crier, toi, moi. Il reste là-bas, un de deux. Dans ce moment, il retourne crier sur nous une troisième fois. Troisième fois. Troisième fois. Troisième fois. Il galopait les vingotes et dit, les là qui bon Dieu révèle avec le sacrificateur, Dieu te connaît sa garçon-là, Dieu qui peut causer avec lui. Il a dit avec Samuel, si tu retends ça, la voilà, crie-toi, dis à Seigneur, je t'écoute. Ton serviteur t'écoute. Qui n'a rêvé pharisien, Samuel peut venir un prophète de Dieu, il vient parler de la part de Dieu. Un prophète pour être capable de parler de la part de Dieu, il faudrait qu'il y entende de la part de Dieu. Comment il est capable de parler de la part de Dieu s'il n'est pas venu entendre de la part de Dieu? Depuis ce jour-là, Dieu commence à travailler lui. Parce qu'il est bien habitué avec ça, la voix, bon Dieu. Là, bon, décrit ce nom. Hein? Moi, je crois qu'il y a un enfant de Dieu, il est bien connu quand bon Dieu peut causer avec lui et quand le diable peut causer avec lui. Parce qu'il vient avec l'habitude, avec l'exercice, avec discipline. Parce qu'il fait, parce que plus vous avez mort avec bon Dieu, plus vous connaissez la voix, bon Dieu, vous connaissez qui. Non, ça n'a pas venu de Dieu, ça n'a pas bon Dieu qui peut causer à moi. Là. C'est poussé par le Saint-Esprit que mon nom m'a même beaucoup de points dans sa vie. Ah bon, là, c'est poussé par le Saint-Esprit qui donne un nom m'a beaucoup de points dans sa vie. Mais là, c'est pas poussé par le Saint-Esprit, là. C'est poussé par Isabelle, ou bien par Lucifer. Parce que
ça veut dire Dieu, au fin de compte, ce n'est pas Dieu qui est derrière là. Est-ce que vous comprenez? Au fin de compte, ce n'est pas Dieu qui est derrière là. Vous en avez envoyé, vous te connaissez. Ça m'a là qui te n'a là, mais ça, tu l'as quoi que tu peux savoir. Bon Dieu, mais pas en plaisir, il est content qu'il est malade, il est content. C'est autant de ça. Vous finissez qu'on est non, mais pas bon Dieu, ce parole, ça, parce que dans la parole, Dieu finit de dire. Ça me coupe bien comme sur la voix, que Dieu ne peut pas causer ça un moment, c'est Satan qui peut causer là, parce qu'il a envie qu'il mourisse malade. Vous faisiez ça un moment là, refuse sa parole là, parce que sa parole là, elle vient de Dieu. Une tente, une tente parole là, ou pas écouter dans le sens, écouter, vous dire, vous pouvez s'y rentrer, voilà. Vous attendez, mais vous pas écouter dans le sens où ils rentrer. Vous laissez rentrer à l'intérieur des hauts. Vous attendez en tout cas des sons des hauts. Mais il ne faudrait pas les rentrer à l'intérieur. Comme ils sont à la télévision, vous en tout cas des sons. Le peut monter, l'autre crise ici, l'autre crise par là-bas. Quand il se crise par ici, crise par là-bas. En tout cas des crises, vous attendez. Mais si vous laissez, vous attendez. Mais si vous laissez rentrer, vous pouvez écouter là. Vous allez rentrer. Ah, yo, crise, moi, nous vous faire l'essence peut monter, nous allons retrouver le tout, nous allons marcher l'église. Les mondes destinés techniquement pour régler ce problème, ou un enfant de Dieu, ou contre la grâce de Dieu, ou contre la puissance de Dieu, ou contre la parole de Dieu. Dans la famine, bon, tu nourris, les pharisiens. Quand tu n'as mangé, tu n'as boire. Famine, je peux dire, oui, hein? Tu nourris. Nous, la source, ce pas l'État, nous, la source, ce n'est pas les hommes de la terre. Même si vous travaillez, ce n'est pas au patron qui vous la source. Même si vous travaillez, c'est bon Dieu qui vous la source. Comprendra tout le temps bien, pharisien. Ça m'a dit, peut utiliser ça quelqu'un là pour capable de travailler à côté, mais c'est où la source, c'est Dieu. Parce que si demain, ça la porte est fermée, Dieu pouvait une autre la porte pour. Parce qu'il dit où la source. Capable de la porte fermée, une autre la porte pour ouvrir pour. Parce que mon Dieu, c'est où la source. Il est tellement important, pharisien. Jamais, comme si tout ce qu'il y avait qui vous tendait, vous le laisserez à l'intérieur. Dieu, pharisien, quand il y a Pélou, il appelle nous parce qu'il fait quelque chose au travers de vous. Mais il faudrait que vous aurez les soupes pour qu'il n'y ait pas de temps fait dans la vie. Ben Lévite, vous finissez de dire Ben Lévite. Qui fait film bizarre ou un autre la main? Enfin, d'autres oreilles. Mais disant le lobe d'autres oreilles. Qui fait? Parce qu'il y a un Lévite faire ici, il vient parler de la part de Dieu. Il vient faire un travail de la part de Dieu. Et dans, parmi les Lévites, la même pour un souverain sacrificateur qui vient rentrer dans le lieu très saint. Pour vous aller là-bas à l'offrir, disant pour le pardon du peuple de Dieu. Mais si même il ne dit pas tant de la voix de Dieu, si lui-même il saute spirituellement, il n'est pas tant de qui est bon de Dieu, il dit comment est-ce que vous causez? Qui dit vous dire? L'homme qui m'a fait redire, là nous vous causez gonaz. Nous causez gonaz. Nous presse gonaz. Nous besoin de connaître qui est bon de Dieu, nos pharisiens. Même le message qu'ils nous ont apporté ici dans cette église, il faudrait que Dieu nous dise ça, là, non, nous dit ça, pharisiens. C'est comme ça, ça. Nous ne pouvons pas passer un message parce que nous trouvons qu'il paraît bon. Là, nous devons montrer comment nous besoin écouter bien. Parce que nous parlons avec vous 24 le 7, nos pharisiens. Ou là, des étangs, et puis tous les temps, on passe en dehors, enfin, en dehors de l'église, ce bâtiment-là, on veut dire, dans la case, dans le travail, dans le business, dans votre entreprise, en dehors. Mais. Vous besoin de bon Dieu cause avec vous, parce qu'il y a une décision que vous avez prise au travail, une décision que vous avez prise dans la case. Il faut dire que Dieu lui cause avec vous, mais si vous aurez ce moment-là par soupe pour t'en avoir bon Dieu, vous n'avez pas un problème. Vous allez bon Dieu cause avec vous dans vos oreilles. Dieu lui dit qui vous a fait, parce que Dieu lui vrai, il ferait, s'il existait. C'est lui-même qui crée la terre et le ciel. Dieu lui vrai. Il vous cause dans vos oreilles, il vous dit qui vous a fait, il vous guide où. C'est tellement important, et souvent des fois, on me fait même dire ça aussi. Dieu lui finit une cause avec vous, là, Dieu lui confirme ça à travers une prophétie, à travers une autre du monde. Lui, il a fini une cause à vous avant. Il ne faut pas dépendre de la prophétie, parce que l'église n'est pas dirigée par la prophétie, l'église est dirigée par la parole de Dieu. Dieu lui a donné une prophétie pour confirmer ce qui est bon Dieu de nous. Vous avez un message concernant l'avenir, vous avez un message concernant la vie, vous avez un Dieu qui a une cause avec vous, frères et ici, si nous disons encourage, vous pouvez permettre de dire où laissez-moi des causes avec vous. Mais où vous allez laisser causer avec vous? Vous aurez les besoins sur vous là, vous aurez besoin consacré à tirer vos oreilles consacrées pour mon Dieu. Il dit à l'oreille droite, non, mettez la main droite, la main l'oreille droite, mon petit là. L'oreille gauche là, il est significatif, là, il fait symbolique, là, tout ça fait symbolique. Il dit Seigneur mon Dieu, nous place nos oreilles devant toi. Parce qu'il nous connaît, Seigneur, qui est un Dieu qui cause avec nous. Ta parole dit à nous, Seigneur, tu es un Dieu qui exauce la prière.
de tes bons enfants. C'est pour cela que ce matin, nous livrer nos oreilles dans ta main. Éveille nos oreilles, Seigneur, afin que nous n'avons oreilles des bons disciples pour nous capables d'entendre tes paroles et ensuite écoute tes paroles pour vivre cette parole, Seigneur, pour permettre tes paroles faire son effet dans nous la vie. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous soumettons à ta volonté. Nous ne pas les faire n'importe quoi qui est en dehors de tes paroles, en dehors de l'instruction. Ouvre nos oreilles, Seigneur, par le sang de Jésus. Ouvre nos oreilles, Seigneur, par le Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour à chaque fois qu'il nous finit permettre nos oreilles, laisse pénétrer au-dedans de nous n'importe quoi, n'importe qui parole, n'importe qui son. Oui, Seigneur mon Dieu, mais à partir d'aujourd'hui, nous pouvons nous ce qui nous entendre, afin qu'il en tout temps, Seigneur, nous permette qu'il y ait une parole qui vienne de toi, qui pénètre au-dedans de nous, afin, Seigneur, que la foi les aime dans nous les cœurs, afin, Seigneur, qu'il nous connaisse la vérité et nous morde dans la vérité, afin, Seigneur, qu'il nous morde dans la lumière pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous vous prenons garde maintenant la manière qui nous écoutez. Nous pouvons écouter pour comprendre. Nous pouvons écouter avec plaisir pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous vous permettons nous-mêmes en tout temps. Laisse-nous influencer totalement dans nous la vie pour ce qui te dit pour la gloire de ton nom. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Nos oreilles, les très, très importants. Vous marchez dans ces mains, vous pouvez voyager, vous remarquez que vos oreilles ont un grand rôle. Autant un son de Yahoo, autant un abyss peut venir, autant un transport peut venir, autant un bruit de Yahoo, vos oreilles avaient été où? Prends garde qui s'en a ça. Prends garde. Autant un cri, quelqu'un peut crier ou non, vos oreilles permettent autant de ça crier là. Quelqu'un peut crier ou non. Qui s'en a qui peut crier, moi, ou guetter, ou fin de connaître. C'est un démon qui ne vous a pas écouté, ou pas écouté. Mais c'est un démon qui vous a écouté, ou écouté. Est-ce que vous la même? De même, spirituellement parlant maintenant, il y a un son que vous tendez, il y a un mot que vous tendez, il y a une parole que vous tendez, cette parole-là. Il n'est pas mis dans l'air comme ça, mais il y a une parole dans l'air, là, vous connaissez. Mais seulement, il est invisible. Mais n'hésitez pas dans zone de trouver l'ivini, là. Il faut que moi dise là, hein? Il y a une parole, et... nous donnez un exemple, on va faire la publicité, là, hein? Une parole. Une radio dans Maurice. Right? Il est là. Je les rentre dans mon portable, je rentre dans sa radio là, parole, ma, les rentrer. Parole là. Parole là, là, même, les, c'est moi, mon besoin, mon besoin, c'est un receveur là. Right? Nos oreilles, c'est un receveur ça. Les capter. À cause même qu'il nous besoin faire attention, qu'il y a des mots qui nous captent. Parce que Satan, les souffler ici. Les souffler dans nos oreilles. Bon Dieu aussi, causer dans nos oreilles. Laisse-moi dire tout le temps, prends place ce qui est besoin dans ces oreilles-là, une oreille sanctifiée. Quand Dieu peut causer avec vous, frère, c'est demain où vous en avez quelqu'un, peut causer avec vous. Peut causer avec vous, tu as des causes, peut critiquer bon Dieu, peut critiquer l'autre, peut critiquer l'autre. Ou vous êtes tout de suite qui sait quelqu'un là où aller. Pas les ah bon, ah, ma. Après, là où le corne finit pousser là où coco la tête. Là, bien, bien, venez nous frère, prier pour nous mordre un problème, pas mal qui me passait. Mais nous en avons quelqu'un, une cause en moi, soit grave. Évidemment, Dieu que vous connaissez pour. Sème dans les cœurs la même parole qui va venir de Dieu. Évite, mais invite même des gens qui peuvent causer à vous la même parole qui vient de Dieu, qui peut encourager, qui peut exhorter, qui peut pousser par de l'avant. Si vous découragez, vous dites nous, allez de l'avant, mon frère, mon frère, que vous pouvez décourager. Mange avec Jésus. Ça, c'est Dieu qui peut causer avec vous. Dieu est tout le temps causé. Vous trouvez sa côté positif, sa côté motivation, sa côté pousser pour avancer. Vous finissez connaître Dieu derrière. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.